toutes et tous, je vous demande votre attention. Nous sommes prêts pour commencer notre séance. Je m'appelle Peter Swanepoel, Université de Stellenbosch, Afrique du Sud. Je suis un des présidents de la séance. Bonjour, moi je suis Manuel Arena, Université de Turin, Italie. Nous suivrons le même format que pour la session de ce matin, d'avant le déjeuner. Je vous prie donc de respecter le temps. Encore une fois, notre premier rapporteur de keynote est Philip Nichols, qui n'est pas un étranger pour nous. Il est professeur à l'Université de Western Australia, expert en génétique légumes de pâturage, culture de pâturage, distribution de ces pâturages. Il a été impliqué à plusieurs projets de développement de ces cultures, surtout pour ce qui est trèfle souterraine. Il est donc vraiment un personnage et on est vraiment ravis de laisser lui présenter la première keynote sur la domestication moderne des légumineuses de pâturage et légumineuses fourragères en Méditerranée. Merci, merci beaucoup à tous et à toutes. Bon après-midi, ou comme on le dit en Australie, good day. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette conférence de m'avoir invité à parler devant ce groupe merveilleux. Ma discussion concernera la domestication moderne de légumineuses fourragères et de pâturage en Australie. Une petite discussion sur le climat et les caractéristiques qui prédominent en Méditerranée avec des hivers assez humides et des étés sèches, avec des fausses interruptions entre les saisons et qui interrompent même des saisons sèches ou les hivers. Je crois que les défis auxquels nous devons faire face sont constitués par des hivers assez doux ou assez humides et des étés qui peuvent être même très très sèches avec très, très peu de pluie. Nous voyons là une carte du globe qui nous montre où sont les régions de la Méditerranée et qui sont là donc et qui partagent les régions méditerranéennes le même climat avec des pays d'Amérique, la Californie, l'Oregon, le Chili, l'Australie occidentale et méridionale. Là, vous voyez une carte de l'Australie et en jaune, il y a les régions qui se rapprochent le plus du climat méditerranéen, plus tempéré. Donc, voyons ce qui se passe en Australie méridionale, qui est dominée par le système de fermes mixtes avec des cultures de pâturage et des cultures qui deviennent très très importantes. Les cultures générales sont le blé et l'orge. Et pour ce qui est des animaux, les bovins et les caprins.
Les cultures jouent donc un rôle très très important. La production animale qui domine est donc ce sont les élevages de bovins de boucherie et des vaches laitières. Pour les bovins, le même pour la viande et pour la laine. Et les pâturages sont nécessaires, des pâturages permanents ou semi-permanents axés sur des légumineuses sur base annuelle ou pérenne. Que se passe-t-il avec ces cultures de légumineuses de pâturage et d'où vient-il? Surtout de la période de colonisation britannique depuis 1700, ils ont décidé d'éliminer et de s'en passer de toute végétation native et de passer à un élevage avec des animaux plus exotiques tels que les ovins et les bovins. Ils ont également pensé à planter des légumineuses. Mais les pâturages et les terrains n'étaient pas des terres productives. Les sources sont différentes. L'introduction délibérée et des colonies et de colonisateurs de 1800. Les plantes, les légumineuses, c'était la lucerne, la trèfle, blanc et rouge, avec une adaptation très faible au climat de l'Afrique, de l'Australie méridionale. Les populations ils ont essayé donc d'utiliser des populations de plantes naturalisées déjà avec l'introduction de pays occidentaux en colonisant les régions locales avec des légumineuses de pâturage annuel en faisant une collection des écotypes pour essayer d'étudier l'habitat natif. Mais depuis 1950, on a commencé à essayer de chercher des espèces à mettre en place des programmes de développement des espèces et de différentes variétés. Pour ce qui est de l'Australie méridionale, on a essayé surtout des plantes des régions méditerranéennes. On a également déclenché des programmes d'élevage avec le choix des races et la sélection des races et leur croisement. Les fermiers donc ont embrassé la culture de légumineuses de pâturage exotique avec 48 espèces de légumineuses de pâturage, la taxa par exemple, avec des variétés enregistrées, 27 espèces annuelles et 14 pérennes, 33 espèces étaient domestiquées donc en Australie. La commercialisation est partie dans les années 90 avec 53 espèces et variétés enregistrées. Et l'espèce Methigago qui a été amplement naturalisée après la colonisation britannique et après la cultivation des la première espèce sans épines. Des nouvelles espèces domestiquées ont été implantées dans les années 80.
Donc, quelques mots sur la trèfle souterraine et les sous-espèces. Il y a plusieurs sous-espèces qui sont assez résilients au terrain sèche, mais également au terrain saturé anneau, saturation anneau qui se produit régulièrement. C'est une espèce d'herbe la trèfle est une espèce qui est vraiment tolérante au pâturage, à l'élevage. Avec sa tige prostrée et ses graines brûlées et même souterrain. Pour ce qui est des espèces Methicago, elles sont utilisées d'habitude en culture en rotation. Elles sont très adaptées au sol alcaline neutre et résistent à plusieurs types de climat. Donc, il y a des espèces qui sont mieux adaptées aux différentes situations. On a essayé de le repérer au sol sableux et profond, aux régions saturées anneaux, au sol salin. S'adapte également aux interruptions, aux fortes interruptions climatiques pendant les saisons. Ils ont une germination et assez facile, mais les petits pousses sont tués par les sécheresses. Donc, il fallait essayer d'identifier des espèces résistantes et résilientes à tout ça. On a essayé même d'identifier les caractéristiques agronomiques qui se rapprochaient de plus et qui pouvaient satisfaire de plus le besoin écologique des habitats natifs au changement de saison, au pâturage et aux caractéristiques de régénération des pâturages même dans les saisons les plus adverses. Il fallait également penser à corriger les carences de la région. Là, il y a des légumineuses annuelles domestiquées en Australie, plusieurs types de trèfles qui sont utilisées en culture à rotation. Et qui couvre le double but, tant de pâturage que de forage. Toujours des espèces de trèfles. Important, c'est la rhizobia. Il faudrait choisir et essayer de trouver le matching, un rhizobia qui puisse aller avec les terrains, avec les caractéristiques du terrain. Voyons les pas de la domestication. Tout d'abord, l'identification des besoins agronomiques et des opportunités potentielles. Après, l'acquisition du germoplasme de la banque du germe ou par des missions spéciales, la caractérisation des espèces et des tentatives, des essais dans des petits
pépinières pour essayer de voir les espèces les plus promettantes et l'évaluation des terrains et des élites. Des génotypes d'élite pour choisir la meilleure espèce et le devoir et la responsabilité d'assurer une agriculture sûre pour passer à la phase finale, la phase de la distribution des espèces, des variétés. Je vais vous parler d'un cas d'étude, c'est le cas de Messina, la Mellitus siculus. Messina n'est pas très loin d'ici, c'est pour ça que j'en parle, peut-être. Quand même, c'est une espèce qu'on a vraiment domestiquée. Messina, le nom commun, le nom scientifique, c'est Mellilotus siculus ou messinensis. Pour des raisons de simplicité, on a décidé de l'appeler Messina, sinon ce serait le Sicilian Mellilot ou Messina Mellilot. Les fermiers l'ont accepté. Cette légumineuse est présente en Sicile, dans la zone et en Méditerranée, en Atlantique occidental et en Asie orientale. Ses habitats sont les marais salins et les marais. Avec les précipitations hivernales. Pourquoi ça? L'Australie est un terrain qui subit une salinité importante, un terrain qui s'associe souvent à la saturation en eau, qui a une végétation d'arbres ou de cultures importantes où il y a un manque de légumineuses tolérants et qui s'adaptent au terrain, sauf la trèfle, le balanza trèfle qui est tolérant à la saturation en eau, mais qui est tolérant à une salinité seulement légère. Et il y a également une espèce de Méticago, la Méticago polymorphe, qui a une tolérance modérée au sel, mais qui est susceptible au terrain saturé en eau, qui devient donc, qui ne sont plus productives car elles manquent d'azote et qui donc rend la vie des fermiers difficile. Bon, nous avons conduit des programmes de recherche, nous sommes passés à l'acquisition du germoplasme pour des plantes avec une tolérance à la saturation en eau et au sel. Et nous avons fait des recherches de la littérature pour trouver des solutions possibles de plantes, des légumineuses, pour essayer de les planter et de peupler les terrains les mieux adaptés. Et pour ça, des missions spécialisés ont été réalisés. Une chose importante est la caractérisation des espèces et ces essais que l'on fait dans les pépinières, dans de petits lots de terrain, pour essayer de faire pousser ces plantes et d'examiner, appeler les contenus de ces plantes. Nous avons essayé d'organiser des jardins,
et essayer de trouver toutes les options commerciales possibles pour lancer ces produits dans le marché. Et des études ont été donc menées pour assurer que ces légumineuses soient sûres et que les animaux soient sûrs également. Là, il y a une étude sur la solution saline de la germination, où le calcul est fait en millimoles. 190 millimoles pour la trèfle souterraine, la germination en eau douce et en eau de mer, 3-4 millimoles, c'était la valeur. Il y a les valeurs 1 millimol de la Meticago, 300 millimol. Les résultats ne sont pas très différents que les résultats identifiés et relevés avec l'eau douce, en eau douce. Là, il y a encore un exemple de plante à maturation après un traitement de 3 semaines dans un sol assujetti à saturation en eau et conditions de salinité relevantes. Donc il y a les terrains non salins et salins. On a donc identifié que Messine est une espèce répandue qui peut survivre dans des environnements variés. Nous avons donc essayé de tester 21 variétés de Messine, la trèfle Balance Frontier et la Medicago Bourg Scimitar et Albus. Nous avons essayé de mesurer la biomasse et la persistance sur une période de 3 ans. Et nous avons collecté même des informations des études menées en Israël. Après nos études, nous avons pu remarquer que c'est Messine à Neptune est assez sûre pour le pâturage, qu'il y a une teneur, les niveaux de coumarin sont très bas, leurs valeurs sont présentes dans les espèces Melolithus. Les essais pour le pâturage ont indiqué que la digéribilité ne présente pas des problèmes tels que Balance et la trèfle souterrain, qu'il n'y a pas de produits chimiques qui puissent poser de menaces pour la santé du bétail, qu'il n'y a pas de toxines dans le foie qu'on a examiné après avoir abattu les animaux testés. Et nous avons même mis en place un jury de dégustation pour tester la viande et on a accepté, on a remarqué que la qualité a été acceptée par les consommateurs. Donc,
Après avoir travaillé, passé tous ces passages, nous avons eu des reconnaissances importantes et l'autorisation à continuer. Donc, nous sommes passés à la phase de SMIS. Ici, là, on est à perte et nous avons entrepris également la phase de distribution commerciale de la légumineuse, des légumineuses pour pâturage. Là, on montre l'élevage de Messine. Les agriculteurs l'ont accepté tout en connaissant les limites de cette plante. Et maintenant, quelques conclusions. La trèfle souterraine et la médicago annuelle continuent à être des espèces importantes en Australie méditerranéenne. Les légumineuses de pâturage ont donné une contribution importante au type de sol et au système d'élevage des espèces les mieux adaptées. Et la Méditerranée est vraiment une région de biodiversité très importante, même pour ce qui est des légumineuses de pâturage et d'autres espèces que nous pourrions utiliser et qui s'adaptent bien à notre sol. Malheureusement, on n'aurait pas assez de contributions économiques pour que nous puissions continuer nos études et nos recherches dans nos pâturages. Il faut quand même continuer à collecter les données, à choisir pour sélectionner les espèces et les variétés les mieux adaptées. Il y a vraiment un intérêt sur les espèces principales. Et en conclusion, je voulais remercier tous ceux qui sont impliqués dans ces programmes en Australie. Je voulais remercier tous les techniciens, tous ceux qui ont travaillé, et mes collègues, pour avoir travaillé avec moi à ce travail, tous ceux qui m'ont aidé. Merci. Merci, professeur Nichols, pour votre keynote. Je demande maintenant à Laura Gatto de se rapprocher pour la deuxième keynote. Laura Gatto est professeure auprès du DPI. Département d'agriculture de l'Université de Turin en Italie. Depuis 10 années, elle travaille avec l'utilisation des insectes dans l'alimentation animale. Elle est aussi présidente de la commission sur les insectes AIIB. Laura, tu as 20 minutes. À toi la parole. Bon après-midi à tous et toutes. Merci beaucoup. Permettez-moi tout d'abord de remercier le comité organisateur de cette invitation. Merci Manuela de ta présentation. Je vous dirai ce que je ne suis pas. Je ne suis pas un entomologue. J'ai un background en poisson, volaille, singe. Je ne suis pas un expert de ruminants. Vous pouvez donc comprendre comment j'étais mal à l'aise quand on m'a invité à une conférence de ruminants, parler de nutrition d'ovins et de caprins. Quand même, après ce matin, je vous remercie. Les insectes ont déjà été mentionnés, donc je me sens un peu plus à l'aise. J'essaierai de respecter mes 20 minutes. 20 minutes ne sont pas vraiment beaucoup pour vous donner toutes les informations que je voudrais vous donner sur les insectes. Mais bien sûr, j'essaierai de rester dans les temps et je serai disponible pour toute votre question et pour vous répondre. Tout d'abord,
Nous savons que nous avons une population croissante, que nous avons besoin de plus d'aliments, que nous devons produire plus d'aliments pour les hommes, aliments pour les animaux. Les insectes peuvent être un thème important, ne sont pas que des protéines. Et étant donné la situation politique si difficile, beaucoup de pression a été faite sur les aliments. Cette pression est beaucoup plus importante dans les pays en voie de développement, car à part la quantité, il y a le prix des matières premières qui sont difficiles à payer, surtout pour saison. En tout cas, les insectes sont durables, sont considérés comme une source durable et émergente en tant que matière première. Donc, quel apport peuvent-ils nous donner? Et leur valeur est une valeur nutritionnelle. Elles sont riches en protéines, en lipides, en vitamines, en minéraux. Leur quantité d'aminoacides sont beaucoup plus que dans d'autres produits. Et leur profil d'aminoacides est meilleur que le profil des poissons. Les aminoacides sont liés à la phase des insectes, à la période où ils sont analysés. Si considérons les lipides, la composition de lipides est influencée par le substrat où les ancêtres ont vécu. Et donc, à partir du substrat, on pourrait être en mesure de quantifier la quantité d'insectes, la quantité et améliorer leur profil. Le même pour les vitamines et les protéines. On peut modifier en modulant la composition du terrain. Là, on montre les différences entre aminoacides et acides et le profil des insectes. Il y a des documents assez intéressants que je vous invite à lire en la matière. Un autre point, la bioconversion. Les insectes sont des bioconvertisseurs très importants pour la matière cierge. Elles consument une très grande quantité de déchets, donc de sous-produits. Ils sont donc très utiles au processus productif. Ils s'enrichissent par le substrat et transforme les biomasses en valeur nutritionnelle. Et ils ont une valeur de durabilité car réduisent la quantité de ce que l'on va mettre dans les décharges. Pourquoi sont-ils durables également? Parce qu'ils n'ont pas besoin d'eau, de ressources hydriques. Ils sont à même d'utiliser, de profiter du substrat humide, même parce qu'ils ne consomment pas du sol, parce que leur croissance, leur développement, leur élevage se fait verticalement. Ont un taux de conversion intéressant qui est relatif aux sources que l'on utilise. Si on utilise une source avec 70% d'humidité, est différente de l'utilisation d'une source qui demande 20% d'humidité. Leur cycle de vie également est court. La production de masse est contrôlée par quelques espèces d'insectes, ce qui est intéressant pour la production de matières premières pour l'alimentation, pour les aliments pour animaux. Et en dernier, font partie d'un régime naturel pour quelques animaux, même pour les poissons. Clairement, il y a des points négatifs, surtout si on considère l'Europe. Ils ont besoin de températures élevées, 27 à 30 degrés, donc clairement,
Si on est dans une région avec les températures plus basses, il faut réchauffer. Il y a quand même des limites pour être durable. Il faut valoriser les substrats. Donc, il faut le mettre à mesure d'utiliser les substrats d'une manière différente. Il y a cette publication très intéressante en la matière. La législation est très différente dépend de l'endroit où on est. En Europe, nous avons une législation assez limitée avec plusieurs règles. Et il faut les connaître. Il y a des parties, des régions, des pays sans législation. En Europe, la législation est toujours plus contraignante. Les insectes ne sont pas considérés comme animaux, donc ne peuvent pas être traités comme aliments. On peut pas les inclure. Il faut les inclure dans le catalogue de matières premières. Le catalogue est daté et vieux, il faudrait le renouveler, il date de 1994. Il faut les valoriser et les mettre quand même en compétition avec d'autres animaux. Il faut enregistrer et mesurer leur contenu en pesticides, métaux lourds. Il faut considérer leur valeur nutritionnelle. Il y a des législations qu'il faut tenir en considération, garder à l'esprit. L'utilisation des protéines des insectes a été autorisée dans les années 70. Leur utilisation dans les volailles et les suins a été déjà autorisée. Et la législation a été modifiée en 2021 pour leur utilisation avec les ruminants, même si on ne peut pas produire des aliments pour animaux avec d'autres matériels traités et transformés. Pourquoi les insectes? Eh bien, les insectes ne sont seulement que des protéines, contiennent également plusieurs produits tels que antimicrobiens, acides gras spécifiques. Il a été démontré que avec ces compositions antibiotiques ont des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et sont en mesure de stimuler tous les systèmes pouvant moduler le microbiome des animaux. Plusieurs documents le montrent et l'indiquent, même sur les poissons qui utilisent les insectes comme protéines. Sont à même de moduler le microbiote qui augmente la santé des animaux. Il faut considérer également leur résistance antimicrobienne et tous les thèmes qui sont corrélés. C'est quelque chose de vraiment très intéressant à étudier, à considérer. Bon, je ne peux pas parler d'insectes sans parler d'excréments. L'excrément est ce qui reste des insectes. Les excréments ont été récemment réglés par les commissions locales. Les frasses, les excréments, sont les fesses des insectes, partie des insectes et également quelque chose d'aliments qui n'a pas été consommé. Donc, cette proportion d'aliments qui n'est pas consommée peut être réduite pour gérer le processus alimentaire. Les excréments sont très intéressants car leur utilisation en Europe, leur transformation doit se faire à des degrés et de température donnés, mais aide également l'économie circulaire, car
et les rangs de sol, les excréments rangs de sol des nutriments et de la matière organique. Et on peut démontrer que les excréments peuvent stimuler et avoir un impact positif sur le système immunitaire des plantes, stimulent la croissance, réduisent l'apport de fertilisants inorganiques, ont des activités et de antimicrobiennes. Je dirais donc que les ISAT sont un exemple épatant d'économie circulaire et sont importants dans les EDG. Leur matière organique, les déchets organiques et leur transformation dans la transformation des déchets organiques jouent un rôle important, comme les mouches qui peuvent être considérées comme fertilisants. Ce que l'on fait dans les années passées, mais les assets peuvent avoir un impact social important, surtout sur les pays à bas revenus, car on peut les payer, coûte son bon marché. Dans les pays bon marché et à bas revenus, seulement une technologie de base est nécessaire, avec donc peu d'investissement. On peut donc développer des opportunités et mutuelles pour essayer de réviser et d'analyser et accepter leur impact. Pour ce qui est des aliments pour animaux, ils ont un impact important sur le bien-être des animaux avec les larves, avec dans le repas, les repas des insectes. Ça dépend même du taux de d'acide gras saturé qui est important dans la nourriture et dans les aliments pour animaux que ces insectes peuvent produire. Il faut donc le nombre de documents concernant l'utilisation et la production d'insectes devient de plus en plus important, surtout pour ce qui est de leur utilisation en agriculture et dans dans les volailles. Nous n'avons pas essayé encore d'examiner l'intégration, les intégrations alimentaires et leurs effets, mais nous avons étudié quelques insectes, le ténébra par exemple. Et la qualité de leurs produits est vraiment intéressante. On a vraiment étudié les effets antimicrobiens de la mouche du noir du soldat, l'impact sur la pastorelle, et l'impact antimicrobien est vraiment important. Pour les ovins et les caprins, je dois vous montrer des documents sur les petits ruminants, car c'est très intéressant. Seulement un nombre limité de documents a été publié en Europe. Il n'a pas encore le temps pour utiliser les protéines des insectes dans les aliments animaux. Il y a une opposition très claire, mais les résultats sont très intéressants. Il faudrait les étudier, en tenir compte. Nous sommes ouverts clairement à tout type de collaboration. Si vous voulez travailler sur les ruminants, je suis bien contente de travailler ensemble. Nous sommes des chercheurs, nous devons produire de la recherche, produire des données sur tout type de thème, de problème. Je finis. Quelqu'un, quelque chose sur les volumes de production. Considérant le volume de production, il est difficile d'avoir ces données collectées. En 2019,
On a créé une plateforme internationale pour les aliments pour animaux avec 60 tonnes d'insectes produits. On en aura des millions entre 2030. Quand même, il y a des pays qui utilisent des insectes pour leur alimentation, pour les animaux. J'espère qu'il y aura un changement. Si on considère 1 million en 2030, la quantité que l'on peut produire est estimée à 1235 millions de tonnes. Si on veut inclure seulement 1%, pas comme ingrédient, mais comme additif dans le régime alimentaire des animaux, de suins, je n'ai pas inclus les ruminants, seulement 1%. On peut couvrir les besoins de l'aquaculture. Si on voit la quantité d'insectes produits, ce rapport n'est jamais suffisante. On se fait des illusions. Mais on ne doit pas garder l'Europe. Il faut considérer les autres pays qui utilisent les insectes. Et en ce cas, il y a de l'espace pour la recherche et la production. Bon, là, il y a des paramètres du secteur de la production animale, le secteur de matières premières, les coûts qui ont augmenté dernièrement. Je sais que les sociétés ont mis à jour leurs prix de marché et le font tous les 2 ou 3 mois. Ce sont des paramètres qui doivent être considérés par les producteurs d'insectes. Quels sont les prix des repas à base d'insectes? J'ai trouvé quelques données entre 2500 et 5600 euros par tonne. Si on compare cette donnée aux poissons ou aux fèves de soja, on n'est pas compétitive. Il n'y a pas de compétition avec la production de ce type de matières premières. Quand on utilise de la fève de soya ou des repas à base de poisson. Mais les insectes ne peuvent pas se voir seulement comme protéines. Il faut considérer l'impact en général que les insectes peuvent avoir. Ce rapport de Rabobank augmente que. Qu'une réduction des prix des insectes s'attend avec une augmentation de la biomasse. Quelques projets pour lesquels j'ai reçu de contributions cette année, 2 projets avec lesquels je travaille. Donc, 2 projets sur lesquels je travaille. Ça, c'est un projet sur les singes d'Horizon 2020. Je suis responsable du travail avec la production animale. Nous travaillons avec les poissons, avec d'autres produits. Ça, c'est le projet climat qui a déclenché en début septembre d'autres projets en agriculture. C'est un projet d'agroécologie.
Nous utilisons des sous-produits d'insectes, des aliments pour les volailles, et nous utilisons également des produits comme fertilisants. Je travaille au sein de la commission des insectes, les AAP, et c'est un projet pour cette commission, et je voudrais vous laisser avec une phrase que j'aime vraiment, qui ne m'appartient pas. Et j'ai eu cette idée du professeur Van Noyce, qui est un des experts les plus importants dans le secteur des insectes. C'est une phrase qui dit Dieu, dans sa sagesse, a fait les mouches, mais il a oublié de nous expliquer pourquoi. Donc, je vous laisse avec cette suggestion. Pensez au pourquoi nous devrions utiliser les insectes dans l'alimentation. Merci beaucoup. Ah non, j'ai oublié la partie la plus importante. J'ai apporté des insectes. Si vous voulez voir mes enfants, Ténébrio est active, assez active, même s'il fait froid, il est habitué à une température de 37, de 27 degrés. Il n'est pas si heureux que ça. En tout cas, si vous voulez venir nous visiter, nous avons des structures où vous pouvez voir le comportement de ces insectes du Ténébrio également. On vous attend, merci. Merci beaucoup. Nous avons 10 minutes pour des questions. Si vous voulez, avant la pause café, nous continuerons la discussion après la pause. Si vous voulez poser des questions, nous avons le temps. Merci. Merci beaucoup. Nous avons 10 minutes pour les questions avant la pause. Et on continuera la discussion à la fin de la séance de l'après-midi. Et si vous voulez, vous pouvez poser vos questions aux rapporteurs des keynotes. Claudio Porque et Conseil national de recherche Italie. J'ai une question pour Phil. Phil. Oui, dans vos conclusions, vous avez parlé d'un nouveau programme de sélection de nouvelles espèces, de nouvelles cultures pour surmonter des problèmes spécifiques de certaines régions données. Pensez-vous qu'il y a donc de l'espace pour une nouvelle sélection de nouvelles légumineuses de pâturage? Pour atteindre un niveau correct et meilleur pour l'avenir, pour un futur prochain. J'ai une question, je peux la poser? Sur les animaux, sur les cultures. Je suis là. Bon, ma question est pour les deux rapporteurs de keynote. Vous avez les deux présenté des travaux intéressants. Jusqu'à quel point les espèces peuvent être disséminées, cultivées, introduites Donc, la première question est jusqu'à quel point et comment les espèces peuvent être introduites, disséminées dans la variété de la Méditerranée, parce que vous représentez la région de la Méditerranée, mais chaque partie de la Méditerranée est différente avec ses caractéristiques. Nous avons vu par exemple les insectes, et nous savons que les insectes ont besoin d'une température élevée, donc s'il faut réchauffer, la durabilité disparaît. Et
Et la deuxième question concerne le déplacement. Si vous déplacez les espèces d'une partie à l'autre, comment vous pouvez surmonter les difficultés qui se rendent, les difficultés d'adaptation, difficultés de climat, comment pouvez-vous gérer ce problème? Bon, je réponds. En considérant le risque pour les insectes, il y a des réglementations qui sont assez étroites pour ce qui est des espèces. Les espèces d'une certaine production doivent être présentes en Europe. Par exemple, la mouche du soldat noir, c'est une espèce qui avait été déjà introduite en Europe le siècle dernier. D'autres mouches, les autres, ont besoin de températures élevées. À des températures inférieures à 10 degrés, les mouches mourront. Et même si quelques espèces, quelques individus s'en va, il n'y a pas de doute parce que en fait, ce sont des espèces locales qui sont déjà sur le terrain depuis longtemps. Il faut quand même éviter tout type de fuite pour être à même pour éviter qu'il y ait des productions de masse d'insectes inconnus ou que ces insectes puissent remplacer des espèces locales. Mais que faut-il faire si on veut faire la production de masse locale? Il faut avoir des règles de sécurité. Et vous avez parlé de production de masse dans le pays. Ce que vous avez dit est que vous avez besoin de règles de sécurité et dans votre sélection d'entre déjà les animaux. Alors, nous n'en avons pas besoin. Parce que c'est quelque chose qui est déjà réglé par la loi. Si on veut la production de masse en Italie, il faut suivre certaines règles. Pour ce qui est de la production de masse dans d'autres pays, je connais la situation en Malaisie, en Chine, où il n'y a pas de contraintes, mais les mouches sont contrôlées, ils ne peuvent pas fuir, donc leur production est limitée. Les mouches, les insectes sont contrôlés et dans des cages, dans des enclos. Bon, je voudrais répondre aux questions du pâturage. La dissémination de pâturage, de variétés d'une région à l'autre, ou l'implantation d'une variété sur une région donnée. Bien sûr, on est de plus en plus impliqué et dans la création de vergers mais tout doit passer par des réglementations, par un processus pour ce qui est de l'implantation ou d'une variété donnée dans une certaine région. Mais quand même, la nature marche d'une meilleure manière par rapport à l'individu. En Australie, nous avons des réglementations. Nous, on a de la chance, on est une île, on peut contrôler ceux qui rentrent. Il y a toute une liste de substances interdites. Nous faisons des expériments. Et nous pouvons dire ce qu'il ne faut pas faire entrer dans la liste. Il y a des terrains qui sont un peu plus mixtes, où il peut y avoir des éléments qui peuvent un peu déranger. Mais
on fait beaucoup d'attention parce que les règlements sont très contraignants, très, très petites. Donc, il est temps maintenant de la pause café. Et nous suivons donc les conseils d'Alessandro et on se verra tout à l'heure après le coffee break, après la pause café. J'ai une annonce sur la visite technique de la troisième journée du 29. Si vous ne m'écoutez pas, il y a une grosse possibilité, il y a la possibilité que vous restiez à Catane. Nous sommes très nombreux. Nous ne attendions pas à ce que à un tel grand nombre. Nous avons donc 13 autobus, 13 autocars qui nous attendront dehors. Jeudi matin, on se rencontrera à 7h57 auprès de la statue de l'éléphant, Piazza Duomo. Et de là, on marchera jusqu'au car. Nous n'avons pas de registre, on ne fera pas l'appel, on vous appellera tous nom par nom. Donc, ceux qui, à 7h57, ne seront pas là, eh bien, je crains qu'ils resteront ici à Catane, donc ils pourront faire d'autres choses. Merci.